Quelle belle rime que j'ai fait. Rien ne serait complet sans la team replay. Donc pour YouTube, on est sur Going Under, un petit jeu indé que j'ai trouvé par hasard, hein, tout simplement, que je ne connaissais pas. Et en somme, nous sommes un stagiaire ou une stagiaire, je ne sais plus, dans un bâtiment. Et on doit se battre contre des anciennes startups spécialisées dans les nouvelles technologies. Et le but, voilà, c'est un peu comme un dungeon crawler, mais version bureau, et il faut qu'on se serve de tous les objets qu'il y a dans l'environnement pour tout simplement peut-être bolosser des fous furieux, je ne sais pas, je ne sais plus. Alors, j'avais commencé ça, et c'était juste pour... voilà. Oui. Mais je veux supprimer cette sauvegarde. Merci. Voilà. Alors le son est peut-être encore un peu fort, je ne sais pas, je vais revenir quand même pour diminuer un peu. Je vais faire à la souris, ce sera plus simple. Je vais le faire à la souris. J'ai pas envie que ça soit trop bas non plus pour éviter de... Voilà. Hop, voilà. Ouais, le son est un peu fort, hein. Donc on va peut-être baisser ici. Voilà. Ouais, en effet. On va voir, on va faire un test. Préparez-vous si jamais il y a des sons forts. Je suis désolée déjà par avance, je réglerai ça après. Welcome to the beautiful city of Neo Cascadia. Did you have a nice monorail ride? Je suis un peu devant le texte en fait. We at Cubicle would like to congratulate you on joining the ranks of over 100,000 employees hired through the Impoverished Intern Initiative. As the largest e-commerce corporation in the nation state, we're proud to support the next generation of innovators. Alors c'est soutenir, fier de soutenir la nouvelle génération. But Cubicle started out as nothing more than a great idea from someone just like you. Like so many Neo Cascadian success stories, Cubicle began as a startup, just a couple guys in a garage with nothing but a dream and a modest cash injection. Capital de départ là. That's why we're paying it forward. Since the inception of our company, we've acquired countless startups and provided them with funding and hard workers to help accelerate their success. Our friendly integrated AI has assigned you as a marketing assistant at our latest member of the family, Fizzle Beverages. By inventing a sparkling water that's also a meal replacement, Fizzle cleverly disrupted two industries at once. There's no better place for an intern to grow than somewhere like Fizzle, where you'll never be the smartest person in the room. When you're not hard at work with Fizzle, you'll have plenty of time to experience some of the rich Pacific Northwestern culture our great city has to offer. Now, let's go over some ground rules for your internship. First of all, never under any circumstances, explore beneath the... Ok. Je sais déjà tout ça en fait. J'ai dû regarder cette vidéo quand j'ai postulé en ligne. Oh, c'est vrai. Allons, passons les formalités et attaquons la partie plus fun. Je parie que tu as hâte de rencontrer tes nouveaux collègues, Jacqueline. Oh, ça oui, j'ai tellement hâte. Dans ce cas, allons organiser cette petite présentation. Waouh. Oh non, pas encore. C'était quoi ça? Alors, on dirait que ces monstres se sont encore enfuis du sous-sol. J'aurais vraiment préféré ne pas te faire ça pour ton premier jour, Jackie. Me faire quoi? Eh bien, nous ne pouvons pas faire notre petite réunion tant que cette chose se balade ici. Donc j'aurais besoin que tu me rendes un petit service et que tu ailles tuer ce monstre. Pardon, tuer? Genre, jusqu'à ce qu'il meure? Là, tout de suite? Je n'ai jamais tué personne, moi. Ce ne sont pas vraiment des personnes. Tu n'es juste pas encore habitué à la vie citadine, mais ici, à Neo Cascadia, tout le monde doit tuer son premier monstre tôt ou tard. Si ça peut t'aider, tu n'as qu'à faire comme si c'était un jeu vidéo. Imagine leur barre de vie en train de descendre à chaque coup que tu portes. Tu connais tes premières attributions en tant que nouvelle stagiaire chez Fizzle Beverages. Rends-nous fiers. D'accord. C'est parti pour la chasse aux monstres, alors. Cringe. Regardez autour de vous. Mon dieu, j'adore l'illustration. Le son, ça va pour l'instant. Ouais, c'est ce que j'ai... De toute façon, si jamais il y a besoin de baisser encore, je baisserai, bien sûr. Alors... Déjà, j'adore le dessin. Par contre, c'est vrai que j'ai pas remis la... S'il y a encore des cinématiques. Premier stage en entreprise, tu es un monstre. Yeah! Ah, ramasser. Ouais, je crois que j'avais... Tiens, avec un pouf. Qu'est-ce que ça fait si je ramasse un pouf? Non, je peux pas ramasser un pouf. L'ordinateur!
Ok, attaquer. Abat le PC! Qui aurait cru que tabasser un zombard avec un ordinateur me servirait un jour? Tiens, un balai. Allez, tiens, où est le balai? Ne pas sortir de son contexte, bien sûr. C'est du grand n'importe quoi. Te revoilà, alors tu vois, c'est pas si dur, pas vrai? Je me sens pas très bien. On a quelques caisses de fizzle goût anti-acide là-bas derrière. Tu t'es bien débrouillé, Jackie. Merci. Maintenant, il y a encore un léger détail dont tu vas devoir t'occuper. Il faut descendre dans le donjon et tuer tous les autres. Ah ouais, d'accord. Ah, non, 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 c'est hors de question. Il faut, un genre d'exterminateur ou un truc comme ça. Ce ne sera pas compliqué, promis, tu as dégommé celui-ci si facilement. Il n'y en a sûrement pas plus de 3 ou 4 qui se cachent en bas de ce toboggan. Je dis non, c'est non. Trouvez quelqu'un d'autre, j'irai pas là-bas. Bon, alors soit. J'avais de grands espoirs pour toi, Jackie. J'ai examiné ton CV. Oh non, le chantage. Mais si tu n'as pas la motivation nécessaire pour travailler chez Fizzle, je devrais peut-être demander à Avi de reconsidérer ton poste ici. Mais c'est dégueulasse. Attendez. Oui, je vais le faire. Je vais descendre et jeter un œil. Oh excellent, je savais que j'avais décelé cette petite flamme en toi, Jackie. Reviens me voir dès que tu auras fini de t'occuper de tous ces monstres. Oh, et ne traîne pas trop en bas, la réunion est dans 15 minutes. Marv, mais t'es vraiment un connard en fait. Hello, Roi Cupcakes. Hello, hello. Oui, petit jeu que j'ai trouvé, je me suis dit ça change de d'habitude. Bon, et bah je descends avec mon balai. Et je vais bien voir ce que ça donne. Examinez le toboggan violet. Entrez. Oui. Encouragement au burn-out. Excellent. Ouais non, j'ai perdu mon balai, c'est pas juste. Oh, un crayon, c'est bien plus pertinent. Oh, le cactus en peau. Allez. Ouais. Visez. Ah ouais, d'accord. Attends, c'est pour moi les sous. Oh génial, en plus on gagne des sous, c'est génial. Ah ouais, donc en fait je prends tout ce que je veux. Je prends tout ce que je veux pour tabasser tout le monde en fait. Ouais, ça, la roulade, je l'avais vu tout à l'heure. Ah, me casser. Ah, vite la raquette de ping-pong. Bon, ça va. C'est pourquoi il y a une punaise. Ah d'accord, c'est pour la boutique. Apprenez des compétences pour augmenter votre puissance. Y pour augmenter la compétence. Mendiant violent. Votre premier coup critique sur un ennemi vous donnera un dollar ou deux. Chance critique augmentée de 10. Quand vous arrêtez de ramper, ce qui se trouvait au-dessus de vous explose. Je vais peut-être prendre celui-là en fait. Oh, il y a des agrafeuses, il y a le thé, la café extra, la tablette, un écran, grosse plante en pot. Il y a tout en fait. Changer d'objet. LBRB, d'accord. Eh ben. Je vais ramasser. Voilà, on va tester. Hop, 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 hop. Oh, génial. Excellent. C'est décarbonisé. Alors là, on va faire le listing. Il y a... alors ça, je sais pas ce que c'est. C'est pas un crayon de tablette, ça. On a eu l'ordinateur. On a eu le balai. On a eu quoi d'autre? Oh, la boule de yoga. Le ballon de yoga. Allez, vas-y. Osef le Feng Shui. Je tabasse tout le monde avec un ballon de yoga. Qui veut méditer? Bonjour. Oh mais non. Ah. Vite. Ah. Ah. Vite mon ballon. Mon ballon. Mon ballon. Vite mon ballon. Mon ballon. Ah. Oh boula. Bon, c'est pas grave. Vite la chaise. C'est trop lent. Trop lent. Et je me trompe de touche à chaque fois. Beaucoup trop lent. Et j'ai... Ah. Oh mon dieu. Ce glitch. Oh dodo. Oh dodo.
Allez méditer, oh punaise. Oh merde. Bon bah... Oh bah et en plus je finis empalé dans le feu. La stagiaire Jackie a été vaincue par l'ennemi intérim mercenaire à l'étage B1 de Joblin. Excellent. Incroyable. Des crayons, une tablette et un ordi portable sont des armes dangereuses, attention. Ça paraît pas, mais oui. Le monde est trompeur. Hop là. Bon là, j'ai juste fait nappe, hein, soyons clairs. N'hésitez pas à faire des suggestions éventuelles d'armes dans le coin. Bien sûr. D'ailleurs, qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre? Ça, c'est quoi? Un crâne. La balle de ping-pong, ouais, la tasse. Un tabouret de bar, vas-y. Allez, hop là. Ah, c'est lourd, par contre. Oh là là. Ah là là, ah là là. Oula. Oula, je suis avec un pot de cactus. Attention. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est qu'il y en a d'autres, ça change à chaque fois. Vous êtes invulnérable un peu plus longtemps après chaque coup reçu. Ça, c'est quoi? Tous les objets que vous jetez iront droit dans leur cible. Incroyable. Ça, ça me va. Oui, une arbalète. J'ai vu une arbalète. Non, mais je veux... Ah, on peut pas sauter dans ce jeu de mort. Je peux pas prendre des trucs, là. Bon, bah, tant pis. Waouh, waouh, quoi? Mon pot est ensorcelé. C'est complètement pété. Et voilà. Le bon vieux coup de la chaise. Hop là. Je veux juste prendre l'arbalète si c'est possible. Apparemment, non. Qu'est-ce que je peux prendre? Allez, un PC. Le prochain que je croise, c'est un PC dans la tronche. Le crayon. Mais oui, le crayon. Voilà, comme ça, je suis armée. J'aurais pu prendre l'unité centrale en vrai. Il y a solitaire dessus, j'avais pas vu. Oh! Mais alors? Ah merde, j'ai pas changé d'arme! Oula, 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 oula. Voilà! Merde, le café! C'est fini, il y aura plus de pause café. Interdit les pauses café désormais. Oula! Chargez votre attaque avec X chargé. Hop là. Let's go. Agressif ces trucs là. Au vu de la post-toilette inacceptablement... Nespresso-horreur. Au vu de la post-toilette inacceptablement longue prise par les contractuels, à partir de maintenant, tous les sièges des toilettes seront inclinés à 45 degrés pour encourager... Je sens quelque chose. Je sens... un blocage de la productivité. Salut, c'est vous le boss ici. J'ai été envoyé ici pour vous faire savoir que... En fait, vous n'êtes pas vraiment supposé être... Nous n'avons pas le temps pour les interruptions, pas à ce stade du travail. Contractuel, éliminer cette menace contre-productive. Ensuite, nous reprendrons notre synchronisation quotidienne. N'essayez pas de vous défiler aux toilettes après la bataille, je vous surveille. Kev, il aurait une bien meilleure voix que moi là-dessus. Mais alors, vraiment. Par contre, ça va être dur. J'arrive pas à esquiver, au secours! Mais ils sont trop nombreux. C'est un peu un die and retry en fait, quoi. La team café fut mourue, ouais, mais vous avez été là, quoi. Merci à tous d'être venus à notre petite réunion du jour. C'était obligatoire, alors bon. Merci, Marette. Tout d'abord, j'aimerais vous présenter notre nouvelle stagiaire. Faites du bruit pour Jacqueline Fiasco. Ah ouais, génial. J'arrive. Je suis là. Je suis en retard. Une nouvelle recrue? C'est pas vrai, le budget est déjà assez serré. Ah, ça, c'est la... pas la manager, mais la comptable. Je crois que Mademoiselle Fiasco n'est pas payée, tapis. Oh, Dieu soit loué. Jacqueline, pourquoi ne pas briser la glace en te présentant un peu? Commence donc par ton nom, ton parfum de fizzle préféré et le riff qui te tient le plus à cœur.
Tu viens de nous dire son nom. Reste cool, Kara. Je pense que mon parfum de fizzle préféré, c'est abricot du Sichuan. Pourquoi ? Pas. Et je rêve d'avoir un jour une assurance maladie. Oh, quel choix de parfum audacieux. Je l'aime déjà. J'acquitte ici pour... C'était quoi déjà l'annonce ? Du marketing. Exact, un stage en marketing. Elle serait en stage avec qui alors ? Je croyais qu'Avis chargeait déjà tout notre marketing. Essaye de voir plus loin, Kara. L'obstinance se conduit à l'obsolescence. Ce n'est pas parce qu'un réseau neuronal de pointe gère tout notre marketing et toutes nos relations publiques qu'il n'y a pas de place pour une touche d'humanité ici et là. Bien dit, patron. Fern, c'est quoi l'obstinance ? Quant à ses attributions, je suis sûr qu'Avi trouvera bien quelque chose. Jusque-là, voyez Jackie comme notre petite assistante personnelle. Si vous avez besoin d'aide sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à lui demander. Je dois avouer que ce serait formidable d'avoir quelqu'un pour goûter mes nouveaux parfums. Et j'ai toujours besoin de quelqu'un pour m'épauler dans les finances de la boîte. Oui, allez, je suis partante. Moins on dépendra des machines et mieux ce sera. Moi-même, je vais lui dire quoi faire. Cool. Ravi de vous rencontrer. Voici l'équipe chaleureuse que je connais et que j'adore. En parlant de ça, et si on terminait cette petite réunion avec le slogan de notre entreprise ? Quelle bonne idée, patron ! Je crois que je m'en souviens. Que faisons-nous ? Du fizzle ? Qu'est-ce que ça fait ? Ça remplace le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Pourquoi on le fait ? Allez les gars, vous la connaissez en plus. C'est pour rendre le monde meilleur. Ah oui, c'est vrai, comment j'ai pu oublier. En général, ils le connaissent bien, mais on est lundi, alors bon. Nous sommes comme une famille ici, Jackie, tu t'en rendras vite compte. J'ai tellement hâte. Eh bien voilà qui conclut notre réunion du jour, passez une bonne journée de travail tout le monde. Jackie, tu resteras après la réunion, on doit parler d'un petit problème de gobelin. Waouh, quel stage incroyable. J'apprends des choses. Alors, t'y es arrivé ? Arrivé où ça ? Tout en bas ? En bas du donjon ? Là où se trouve le boss ? Est-ce que j'ai l'air d'y être arrivé ? Je me suis carrément fait botter les fesses. Je vais être franche, je ne pense même pas que c'est possible d'aller aussi loin. C'est bon, c'est pas bon ça, Jackie. Il va falloir que tu penses de manière plus positive si tu veux progresser. Vous ne croyez pas que quelqu'un d'autre serait plus qualifié pour ce job ? L'annonce parlait d'un stage en marketing. Je ne suis pas faite pour affronter des monstres. Je n'apprécie pas plus la situation que toi, Jackie. Mais avec ces gobelins qui débarquent sans cesse des profondeurs pour voler notre matériel, on n'arrivera jamais à atteindre nos objectifs. Occupe-toi de notre petit problème de monstre et tu rédigeras des articles sur les réseaux sociaux en moins de temps qu'il n'en faut pour daber. Ou quoi que vous fassiez, vous les jeunes. Bon, je suppose que vous voulez que j'y retourne. Je suppose bien. Accroche-toi, Jackie. Tu auras fini cette mission avant même de t'en apercevoir. Es-tu seulement connecté à la réalité, toi ? Sans rire, est-ce que je peux utiliser l'avion pour leur le mettre dans l'œil ? Apparemment pas. Apparemment, je ne peux pas prendre d'armes ici. Ah si, je peux en prendre le cube de Félix. J'ai volé le cube de mon collègue. Je prends un clavier. Qu'est-ce que je peux prendre d'autre ? Non. J'ai pris ça, il y a un chien. Est-ce que je peux prendre le chien ? Non, je peux parler au chien. Je ne peux pas prendre le chien. Je ne peux pas prendre de pouf. L'écran là non plus, ça semble un peu compromis. Bon bah visiblement. Let's go. Avec mon clavier. Mais c'est vrai que j'avais oublié qu'en prenant tout simplement des outils avant de descendre, ça servait strictement à rien. Je suis débile. Et bah prenons le... Non, cactus en pot, c'est pour se défendre. Ramasser. Allez, let's go. Ah mais le donjon a encore changé. Il y a même une serpillière, c'est incroyable. Oula. Ah, on peut quand même utiliser ses points. Intéressant. Allez, let's go pour le balai à franges. Mais je crois que du coup, ça sert à rien. Ouf. Le gourdin à pointe. Alors ça, c'est quoi ? Regagnez votre santé perdue en tuant rapidement le dernier monstre qui vous a touché. Le colis cubicle contient un objet en plus. Bah let's go. Allez. On va y arriver, j'en suis sûre. Oh le couloir.
avec un seul ennemi. Ouf. Coup dur pour l'équipe adverse. Merde, ma raquette. Non, j'ai laissé tomber ma raquette. Ah non, c'est pas ma raquette. C'est bon. Je crois que j'ai bazardé un truc qui allait exploser. Heureusement. Ah non. C'est bon. Ah, il y a l'arbalète, mais bon. Ah mais ça fait vraiment ambiance à la fois bureau et donjon de base, en fait. C'est trop bien. Nouveau boulot disponible, c'est-à-dire... Triompher rapidement des ennemis, j'aurais jamais dû accepter ce job. Je suis pas faite pour ce job. Au secours. Jeanne. Ouh. Et dégagez, dégagez, par pitié, dégagez. Les janitors, là. Merci. Vite, un balai, je vais t'équiper. Your order has been delivered. Non, pas là-dessus. Bande de cons. Merde. Vite. Oh, la guitare. Le strato casse tout. Yeah. Hellfest Power. Le Hellfest Power est là. Oh, il n'y a que des sandwichs. Excellent, le Job Witch. C'est super. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ouf. D'accord, bonjour, qui es-tu? Voilà. Jelly. Voilà. Quelque chose t'intéresse? On traîne à ce par ici? Vous n'allez quand même pas m'attaquer, hein? Pourquoi je ferais ça? C'est mauvais pour les affaires. Ok, d'accord. La meilleure défense contre les conversations indésirables. La scie circulaire, mesdames et messieurs. Ah, c'est la meilleure bouteille, ok. D'accord. Je vais garder mes sous quand même, parce que là, pour l'instant, je n'ai besoin de rien. C'est quoi ça? Le chercheur d'emploi. On a le stick Pôle emploi. Le stick Pôle emploi, incroyable. Avec le Wi-Fi. Avec la connexion Wi-Fi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Hello les geeks. Let's rock. Oula, c'est violent. Apparemment, ils aiment pas le métal. Incroyable. Miaou. Je suis allée partout. Ouais, je suis allée partout. C'est pas la même pièce que tout à l'heure, en fait, là. Qu'est-ce que cela? Ok. Mais... Ah non, 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 non. Merde, merde, merde. Il est petit, tous les objets autour de lui. Et je suis armée que d'un balai. Au secours. Oh là, 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 oh là. J'ai pété ma guitare, je me hais. Oh, vite le tabouret. Je suis naze. C'est pas vrai, il est juste à côté de moi. Plus. Oh merde, non, je l'avais presque tué. Ah ouais. Ah. Je vais y arriver à finir un truc, c'est juste que je fais n'importe quoi. Je suis pas concentrée. Vite, de l'eau. Faut que je mérite mon poste. Faut que je mérite mon poste. Ça débloque des histoires peut-être. Fern. Tu es Fern, c'est ça? Exact, je suis le directeur en chef des arômes. Trop cool, alors vous inventez les nouveaux parfums de Fizzol? Ça a l'air génial. C'est bien plus stressant que tu ne peux l'imaginer, Jacqueline. Mais je le fais pour l'art des arômes. Oh. D'accord. Il a l'air vachement cool. Par contre, j'adore l'animation de son vêtement. J'ai toujours aimé ce type d'animation là. Oh, puis les arbres, ils ont beau être fluffy. C'est une vie. Hein. Oh, toi, je te parle plus. Non, je te parlerai. Je te parlerai quand j'en aurai vraiment décidé. Le moment et l'heure. Parce qu'en vrai, bande des employés. Aucun titre désigné, aucun CV épinglé. Génial.
le fun dans ces stages. Abandon désespoir, allez. Abandonnons tout espoir d'avoir un jour un stage décent. Parce que ça n'arrivera probablement jamais. Ah, déjà. Déjà. Oh, une caisse. Est-ce qu'il y a des choses à l'intérieur? Oh oui. Oh, la graffeuse. Mais elle vaut que dalle. La graffeuse vaut que dalle. Bon, oh, oh, oh. Là, j'allais pas quitter la pièce sans ça, quand même. Oh. Pic, ok. Viens ici. Ah, merde. J'ai pas pu voir. C'était. J'ai pas ramassé la lance, je suis trop débile. C'est quoi ça? Tu peux dormir quand tu seras mort. Ça, c'est la réflexion de pas mal de personnes qui te disent que limite te tuer à la tâche, c'est normal en fait. Donc, moi, je considère que ça ne l'est pas justement normal de se tuer à la tâche. Alors. J'ai 12. Ouf. Ouh, le marteau. Marteau de carte Jobo. Je vais me prendre un petit sandwich. Voilà. Donc, allez, compétences. Vous infligez des dégâts supplémentaires avec des fournitures de base. Vous êtes invulnérable un peu plus longtemps. Allez, vas-y, les fournitures de base. Recyclage. J'ai un crayon. J'ai 3 armes, c'est bon. On peut accepter le job. Ah mais stop! Oh là, oh le ragdoll par contre est magnifique. Un pieu en bois! Admirez-moi. Oh, excellent! Hop là! Qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre? La corbeille à papier. Est-ce que je peux prendre la corbeille à papier? La corbeille à papier! La corbeille à papier. Ah mais non! Eh ben tant pis. Ouais, je vais plutôt finir cette arme-là en premier. Flot de signalisation, pourquoi faire? Oh! D'accord, et je peux me battre avec l'os. Je prends leur bouffe et je peux battre tout le monde avec l'os. Incroyable. Mais attendez, du coup, ça a remplacé... Ah non, j'ai eu peur. Mon dieu, j'ai eu peur. Oh là là. La bombe! Excellent! Quoi, le drone? Oh punaise, j'ai eu peur! Have a great day. Merci! Je suis quand même. Ouais. Qu'est-ce donc? Ah, super! Soif de revanche, ok. Ah oui, je peux carrément utiliser le bouchon de conduite. Excellent. Bon. Ouh. Premier niveau de fait. Sans conneries. Yes. Allez, un clavier supplémentaire pour s'assurer une protection supplémentaire. Ah, ah. Non, 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 non. Oh bah, c'est bon. Puisque visiblement vous ne comprenez pas. Oh, quoi? J'ai cassé ma guitare. Wow. Hop, 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 hop. Aïe, 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 faut pas que je me précipite comme ça. Faut
pas que je me précipite comme ça. Merde, je voyais pas où il était. C'est un peu comme un die and retry en fait. Pas sûr que je fasse ça super longtemps non plus. Je suis sûr d'une petite découverte néanmoins. Et de voir si je me le garde pas pour moi plutôt ce jeu. Parce que là clairement... Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Est-ce qu'on peut y aller seulement? Mais oui! On peut visiter! Ça, je suis sûre que c'est le bureau du boss. Le big boss. Voilà, c'est le bureau du big boss. Qui a un toboggan dans lequel on peut rentrer pour aller plus facilement en dessous. Ça, c'est cool. Ça, c'est classe comme ambiance de travail. Comment ça, je peux pas y rentrer? Je dois dépenser des sous pour y aller? Comment ça marche? Ok, bon. Je crois pas que ce soit le bon côté. Bah non, c'est de l'autre côté. Oui, forcément. Forcément, ça va déjà moins bien marcher. Deux parties, zéro victoire. Est-ce la bonne? Au pire, je pars sur Alt F4 après. Au pire, Alt F4 est mon joker. La graffe. Bien sûr. Si je bougeais la caméra, je ferais un peu moins de merde. Oh bah disons, les agrafeuses c'est plutôt violent. Non, non. Ouais, là-dedans. Possibilité de renverser les ennemis en entrant dans la pièce. Allez, on va plutôt prendre... Oula ! Pas du tout. J'ai agrafé la chaise ! Je suis nulle ! Vérifier en fait si j'avais pas raté une pièce. Hello! Vite, il me faut une boutique! Vite, il me faut à manger! Vite! Vite à manger, oh non, la guitare! La sainte guitare! Je peux l'acheter! Voilà, hop là. La TNT, la TNT! C'est bon. Tout va bien. J'avais oublié. Delivery for Jacqueline. Yeah. Donne-moi mon dû. Oh, oui. Consommer, consommer, consommer. Au secours. Je suis low life. Mais il y a deux voitures par pitié, quoi. C'est aussi pertinent que Alt F4, en fait. Finalement... Merci à vous d'être venu à cette réunion. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur d'être rejoints par le fondateur de Fizzle en personne. Aujourd'hui, nous avons le plaisir... non mince, je relis.
le fondateur. Faites un accueil triomphal à Raymond. Capo, comment ça va, mes rockstars? Ouais, wouhou! Ça, c'est l'ambiance que j'adore. Vous pouvez m'appeler Ray, hein. On est tous potes ici. Comme vous le savez tous, Fizzle Beverages a récemment été racheté par Cubicle, le leader mondial du machine learning et de la livraison par drone. Nous avons désormais plus d'argent que nous ne pouvons en dépenser. C'est le but ultime de tout entrepreneur. Shabam! Mais ce serait du gâchis si on se reposait sur la super géniale technologie de Cubicle sans l'intégrer dans nos projets encore plus super génialissimes, non? C'est sur cette note que je laisse la parole à notre assistante intelligente, Avi. Yo Avi, parle-nous donc du nouveau produit. Ah d'accord, c'est elle. Bonjour les amis, le temps n'est-il pas correct aujourd'hui? Après avoir testé plus de... Je ne sais plus quel est ce chiffre. Si c'est trillion, billion, je ne sais plus. De scénarios dans mon univers modélisé cubique, l'officiel a déterminé la décision la plus judicieuse à prendre pour Fizzle, avec un indice de perspicacité de plus de 5,03. Raymond, roulement de tambour, s'il vous plaît. Je vous présente Fizzgo, l'application compagnon de Fizzle. En utilisant le cloud de données clients dernière génération de Cubicle, nos consommateurs pourraient suivre leur consommation de Fizzle, se faire recommander de nouveaux parfums et partager leur expérience Fizzle sur notre tout nouveau réseau social. Waouh, c'est absolument tout ce que je déteste. Yo Avi, par pitié, dis-moi que tu n'as rien à voir dans ce projet. Marv, qui est cette grumpy cat en fond là-bas? C'est votre ingénieur logiciel en chef, monsieur. Eh bien, j'ai de bonnes nouvelles pour toi. À partir d'aujourd'hui, la totalité de l'équipe de développement de Fizzle se concentrera sur Fizzgo. C'est génial, non? Qu'est-ce qui ne te plaisait pas? Ah, qu'est-ce qui ne te plaisait pas, déjà? Vous fichez de moi toute l'équipe? Ça tourne pas rond, là-haut? Qui va faire la maintenance du site internet ou de nos outils internes? Ce sont les roues qui tournent, chérie. Oh, punaise. Non, déjà, ce genre de réflexion-là, j'aime pas. Je suis certain que les programmeurs s'en sortiront. Avec tous les petits génies qu'il y a dans cette équipe, je suis sûr à 200% que vous allez rouler sur ce projet. Bien, quelqu'un d'autre a une question? De préférence, pas une totalement ridicule. Est-ce que ça va affecter les saveurs? Bien sûr que non, Fern. Je sais que les saveurs font ton bonheur, mon pote. Je ne pourrai jamais te retirer la gestion de ce qui te passionne. Oh, la pauvre Cara. On dirait que tout va sur des roulettes, alors baboum! Je vais vous distribuer des téléphones de la boîte pour que tout le monde puisse bêta-tester l'appli. Ce sera comme un super projet de groupe. Vous faites une équipe? Vous n'êtes pas censé faire tous vos projets en groupe? C'est l'idée, Jackie. Tout le monde aura un rôle à jouer dans le développement de Fizzgo. Les ingénieurs qui le fabriqueront et tous ceux qui donneront leurs avis à toute heure de la journée sans qu'on leur demande. Oh yeah, mon frère! Je savais que j'avais choisi le chef de projet idéal. Je t'en taperai bien 5, mais je crois que j'ai chopé un truc, alors tu devras l'imaginer. Sur ce, la réunion d'aujourd'hui est terminée. N'oubliez pas de checker la bande des employés pour voir les nouvelles tâches. N'oublie pas de checker ton arrière-train pour retirer mon pied, Marv. La pauvre Cara! Retrouvez-les dans le donjon! C'est quoi cette ambiance poussiéreuse? Weird. Les tâches, mais j'ai rien en fait. La carte de visite. D'accord. Et du coup, ça sert à quoi? Tapis. C'est comment d'être comptable chez Fizzle? Oh, tu sais, la routine. Je fais les comptes, j'ai dit à Marv qu'on a dépassé le budget, Marv le dit à Rare et l'ignore et on recommence. Ça marche plutôt bien pour l'instant. Tu me diras comment c'est possible? Mais visiblement, ça a l'air de marcher du tonnerre. Ça ressemble vraiment à l'ambiance de certaines entreprises, c'est dingue. C'est juste dingue. Mais je ne trouverai ce genre de fonctionnement-là, je ne trouverai jamais ça normal. Jamais de la vie. Bon allez, rebelote. Et j'ai déjà plus d'armes. GG. Voilà. Non, pas la raquette de ping-pong. Bon, je vais peut-être
m'en sortir. Un travail de Joblin n'est jamais fini. Let's go. Ouais, non, y a pas besoin de faire plus. C'est bon. Je commence à choper le truc. Enfin. Faut qu'on critique électrocute les ennemis. Quand vous prenez des dégâts, les ennemis proches tombent à la renverse. Ah ouais, ah je veux bien ça. Retour de bâton, ça me va parfaitement bien. Non. Oh, je peux piloter la jabs. Allez, vas-y. Maintenant, elle est tellement pétée. Ah d'accord. Au bout d'un certain temps, elle explose. Ouf, oh. Oh, le bel item que voilà. Le bel item que voilà. Mais je vais déjà finir ces items-là avant d'en entamer d'autres. J'ai déjà un marteau. Qu'est-ce que c'est que ça? Bouger et attaquer plus vite. Et bah why not, hein? Why not? C'est même plutôt bon. J'ai bien 3 armes. Qu'est-ce que j'ai ramassé? J'ai rien ramassé. J'ai... Ah! Alors toi, non, je vais te... Voilà. Je te renverse déjà en premier. Oula! Olé! Hop là! Merde. Faut que je mange le méga gigot. Faut que je mange le méga gigot. Oh mince, le méga gigot, il a volé. Le méga gigot n'arrête pas de rouler. Ah non, c'est le cône. Oulala, là là. Oh le ragdoll, miséricorde, le ragdoll. Et du coup, le gigot a filé. Je n'ai plus de gigot à manger. Chance de porter un coup critique accru quand votre santé est basse. Let's go. Bah ça va pour l'instant, la première partie c'est pas trop mal déroulé pour une fois. On va peut-être y arriver. Joblin LLC Stage Minus 2. Le cactus en pot. Célébrissime pour ses épines. 100% naturelles, bien sûr. Zut. Trop stupide pour ne pas voir. Voilà. Que je n'avais plus d'armes dans les mains. Bien sûr. Mince. Non. Jette-moi ça. L'écran. Oh, il est lourd, ton écran. Jette-moi ça. Vite. Allez. La masse d'os. Un vampire! Bonjour? L'entrepreneur! Tiens, tiens, je vois que tu as réussi à venir jusqu'à mon humble, jusque dans mon humble garage. Sans vouloir vous enfoncer, je crois que tout le monde a compris le coup du marchand énigmatique. Montrez-moi juste ce que vous avez à vendre, que je puisse sortir d'ici. Ah, voilà une bien impatiente. Dépenser ton argent, c'est vraiment très bien, mais tu sais qu'il y a ce qu'il y a de mieux que les objets? Le savoir. En fait, je suis plus fier de ma grande collection littéraire que je ne pourrais jamais l'être de mes biens. Ou de ma belle voiture. Mais vous vendez bien des trucs ici, non? D'une certaine manière. Cependant, le prix sera sûrement plus élevé qu'une simple monnaie. La carte bleue. Malédiction des comptes gelés. Pendant 5 combats, l'argent vous glacera le sang. Pas sûr que j'ai envie de ça, en fait. Pas tout de suite, en tout cas. Oh non, pas la voiture. Par pitié, pas la voiture. Par pitié, pas la voiture. Oh, le ragdoll dans le mur. Oh non.
Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache. Vite. Non, c'est une compétence, c'est pas une boutique. C'est quoi ça? Oui. Oui, 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 oui. Je prends. Mais alors ça, va falloir que je la jette. Voilà. On prend le balai. On essaye de renouveler ses armes, mais ça va être très compliqué. Ça va être très très compliqué. Bon allez, j'accepte. Parce que j'ai besoin de ça. Allez, c'est bon. En espérant que je vais quand même pas mourir là, parce que ça commence à devenir... relou, juste. Ouh. Oh. Oh, mais c'est que ça donne un cœur supplémentaire. J'avais pas capté ça, moi. Punaise, punaise, punaise. Je suis débile. Je me hais. Oh, y'a que des sagraves. Ah, oh, mais y'a une boutique là, Chuda. On respire. On respire. Vite, l'avocat. Ah, oh, et puis zut. Tant pis. Au moins, je me suis restaurée. Très mal. Photocopieuse. Une carte enchantée capable de capturer l'âme d'un ennemi et son historique professionnel complet. La rame de papier. Waouh. Je peux tabasser les gens à coups de ramettes de papier. Alors j'accepte pas le job, hein, la flemme. Ok, ça sert à rien, génial. Mais trop dans l'autre sens. Oh la vache. Le fraptus. Yeah. Non, jette pas le fraptus. Par pitié. Wow, 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 wow. Revenez à la charge après une défaite. Excellent. Je lâche rien. Ok, le fraptus, le stylet, blablabla. Bla, bla. Eh bien, descendons enfin un étage supplémentaire. Fini la mort. On est presque arrivé au boss. Au secours. Au secours, au secours. J'abandonne tout espoir, comme le jeu m'indique de le faire. Le grand cactus en peau. Et ben je reste avec mon fraptus. Et je prends des risques. Oh, il est énorme, lui, il est énorme. Oh là là, oh là là, j'aurais jamais dû faire ça. Au grand jamais dû faire ça. Oh là là. Punaise, non mais pourquoi, pourquoi, pourquoi à chaque fois je fonce dans le tas? Pourquoi? À quoi ça sert? Le marchand, il arrive 10 fois trop tôt. Et je peux pas acheter de sandwich. Il y en a pas. Oh, l'arbalète. Vas-y. Pour une fois, j'ai l'arbalète, je la teste. Ah mais c'est pas pratique. Ah oui, non mais c'est que je l'ai lancé comme une débile.
Voilà. En douceur, tranquille, pépère. Pépère, pépère. Je sais qu'en tout cas, je peux revenir en arrière. Tu vas attendre 2 secondes. Bon, le problème, c'est que ça, j'ai pas du tout saisi comment faire ça. Pour l'heure, je vais me concentrer sur finir au moins un donjon. Le reste viendra. T'es là, toi ? Bonjour ! Oh ! Qu'est-ce que c'est que ces pourcentages ? Quels sont ces bons de réduction que je viens de voir passer ? Mais zut ! À la fin ! Oula ! Malédiction levée, les comptes gelés ont été levés. Qu'est-ce que c'est que ça ? Coupe Snoop ! Envie d'économie ? Ne cherchez pas plus loin. Ok. Pas compris, mais ça... Non. Pas compris, mais ça viendra sûrement avec le temps. Oh, les Pekobo. Allez. Jobo, pas Kobo. Nouvelle compétence quand même avant d'y aller. La meilleure défense... Inapprochable. Inflige temporairement 2 fois plus de dégâts quand vous prenez un coup. Je vais prendre celui-là. Allez, let's go. Personne ne me touche. Compris. Du coup, je peux plus facilement aller au cac. Sachant que lui, en plus, il s'est fait un peu cramer la tronche. C'est parfait. Est-ce que je peux revenir en arrière, du coup, jusqu'à la boutique ? Est-ce que j'ai suffisamment de sous pour m'acheter de quoi manger ? Attendez, mais je suis revenue là où j'étais tout à l'heure, non ? Ah non. C'est bon. Oh ! Ouais, non, mais c'est ça. Let's go ! Bah, ça va ! Il y a des trucs quand même assez pétés. Oh non ! Quel idiote. On sait pourtant que marcher dans le feu, voilà, ça sert à rien, mais bon. Oh, mais attendez, c'est la salle du boss après ? Est-ce que c'est la salle du boss ? Je crois bien, donc oui. Ah non, toi tu. Voilà, merci, meurs. Oh, merde, j'ai plus d'armes. Veille, la graffeuse. Ça ne marche pas. Voilà. Yes. Hop là. Satisfaction guaranteed. Satisfaction guaranteed. Vite. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouvrir des caisses vous donne plus d'argent. La vache. Excellent. Allez. On va leur apprendre le métal. Ah, il y a une boutique avant. Il y a un méga gigot. Attendez, attendez. Il y a un méga gigot. Voilà. Bon. Je suis pas forcément bien équipée pour aller... Il y a des fantômes qui... Les ordinateurs, ils ont bien bougé tout seuls, non? Pourquoi j'ai lâché ma guitare, d'ailleurs, by the way? Bref. Let's go! Ah mais j'avais pas capté que depuis tout à l'heure, en fait, ce que les gars me jetaient à la figure, c'était des canettes de café! J'avais pas du tout fait attention! Oula! Oula! What? Help me? Bah punaise, je fais pas beaucoup de dégâts. Quelque chose un peu plus. Oula. Il s'injecte des tonnes de café par intraveineuse. Oh là là, vite, vite,
bouge vite. Oh là. Vite. Oh, vite. Vite, vite. Oh, mais il y a des tas de trucs qualitatifs, là. Merde. Oula. Vite. Zut, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Vite. J'ai que des agrafeuses en armes, c'est une blague. Vite. Ouais, ouais, ouais. Toi, tu... Voilà, je casse. Je me concentre sur lui. Voilà. Je préfère ne pas l'attaquer pendant cette phase-là, honnêtement. Ah, c'est que ça donne des armes à tir larigot, en fait. J'ai bien fait de me taire parce que je m'apprêtais à dire que j'avais pas perdu une seule vie depuis le début du boss. Oh là là. On y est presque. Et j'ai le nez qui me démange. Au secours. Je respire plus que par la bouche. Yes, let's go. Grrr. Petite stagiaire humaine bécasse et décaféinée. Ce contre-temps ne nous arrêtera pas. Nous éliminerons tous les obstacles pour terminer le travail. Après ce travail, un autre et encore un autre. Le travail d'un joblin n'est jamais terminé. Ne crois pas que tu peux nous faire échouer avec ta naïveté et ton manque d'agitation. Savoure ta victoire, stagiaire humaine. Ce sera ta dernière. Avec la voix bien nerveuse, là. Capital liquidé. Excellent. Super. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce cube? Ok. Eh ben, je vais essayer... Non, oui. Non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais... Voilà. Parce que j'ai beaucoup trop d'agrafeuses. Acquérir. Le Kawamana. Un élixir qui ralentit la fatigue, augmente votre santé max de manière permanente. Excellent. Cool. A brillamment terminé le donjon. C'est pas mal, franchement, comme manière de voir les choses. C'est cool. J'aurais aimé avoir un jeu comme ça, on va dire, au Stonefest. Tu as réussi à y aller cette fois, n'est-ce pas? Je sais reconnaître une stagiaire heureuse quand j'en vois une. Tu parles. Je commence à regretter. Je dois avouer que vous aviez raison, Marv. Ça a été frustrant d'arriver jusqu'en bas, mais maintenant que j'y suis arrivée, je peux pas m'empêcher d'être fière. À la fin, je commençais même à m'amuser un peu. Mais attention, je suis contente d'en avoir fini avec ce donjon et de pouvoir enfin passer à mon vrai stage. Ton vrai stage? Oui, le vrai. Le stage en marketing. Celui pour lequel j'ai postulé, dans le domaine où j'ai eu mon diplôme. Oh mais oui, bien sûr, suis-je bête. C'est juste que tu as été si forte pour tuer des monstres que j'étais persuadée que c'était ça ton vrai boulot. C'est presque navrant de t'affecter à un poste aussi barbant dans le marketing. Bref, tu as la relique, hein? La quoi? Oh, vous voulez parler de ce truc? Ouais, je crois que le boss le protégeait. Oh merveilleux, donne-moi-la vite. C'est magnifique. Je n'avais entendu que des rumeurs, des murmures dans les allées des salons d'entrepreneuriat sur la super machine à café de ouf gueudin. Qu'est-ce que c'est d'abord? Je pensais que mon boulot c'est juste de dégommer les monstres. Bien sûr, éliminer les monstres, c'est important. Mais maintenant que nous avons la preuve de l'existence des reliques, ça change absolument tout. Ceci, Jackie, est le Kawamana. L'histoire raconte que grâce à ses pouvoirs arcaniques de synthèse de caféine, les employés de Joblin LLC étaient capables de travailler plus longtemps, plus efficacement que tous leurs concurrents, ce qui les a conduits au succès. Pas vraiment, parce qu'ils sont dans les sous-sols maintenant.
Si tu pensais que Fizzle Beverages marchait bien pour l'instant, attends de voir ce que notre équipe peut accomplir après l'installation de ce bijou. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Les employés là-bas n'avaient pas l'air spécialement en bonne santé. Jackie, revoilà ton esprit si obtus. Il faut vraiment que tu commences à penser comme un entrepreneur. C'était pas parce qu'une start-up a fait faillite qu'elle n'avait pas d'excellentes idées ou même de puissants artefacts magiques très utiles. Il y a toujours une leçon à apprendre, même lors d'un échec. Là-dessus, il a raison. C'est pas tout à fait ce que je... Et maintenant, regarde! Waouh, wow, je sens comme des picotements. Je veux dire que tu ressens la productivité. Et j'ai d'autres bonnes nouvelles. Quand l'équipe de nettoyage a fait le ménage cette nuit, ils ont découvert un nouvel accès vers une start-up de crypto-monnaie. Et écoute ça, les cris des morts-vivants s'en échappent depuis ce matin. Ne serait-ce pas fantastique? Il doit sûrement y avoir une relique là-dessous. Des cadavres réanimés, une crypto-monnaie? Je sais vraiment pas ce qui est le pire. Dépêche-toi de commencer à travailler sur ce nouveau donjon, je te promets que j'irai demander à Avi de te transférer dans l'équipe marketing. Mais vous m'aviez dit... Bien, monsieur, je m'y colle. C'est lassant. J'ai une nouvelle papitante, Jackie. Vous m'avez trouvé un poste en marketing? Non. Un nouveau donjon vient de s'ouvrir. Again, je peux entendre des chants démoniaques qui s'élèvent des profondeurs. C'est ça la nouvelle palpitante? Je croyais que vous vouliez que ces choses ne reviennent jamais. Oui, mais voilà. J'ai dit une nouvelle palpitante, pas forcément bonne. Enfin bref, tu as désormais le choix entre deux donjons à explorer. Ton autonomie dans ce bureau n'a jamais été aussi grande. Oh waouh, je ne sais pas trop lequel attaquer en premier. Ils ont tous l'air tellement géniaux. On dit que les jeunes d'aujourd'hui ne font que dans le cynisme et le sarcasme. Amuse-toi bien, Jackie, que Fizzle soit fier de toi. Bon. Je ne sais pas comment fonctionne le système de sauvegarde. Est-ce qu'éventuellement, si je quitte... Je vais jouer. Ouais, c'est ça. Normalement, je reviens là où j'en étais. Désolé si je parle un peu du nez. Oula. Salut, toi, on dirait que t'as eu pas mal de boulot ces derniers temps. On peut dire ça comme ça. Tu as déjà pensé à travailler depuis chez toi quelques jours par semaine? Oh, le télétravail. En ces temps troublés, c'est de plus en plus courant. Quoi? Je peux pas attaquer un donjon depuis chez moi, vous savez en quoi consiste mon boulot au moins. Écoute, gamin, je suis en train de te proposer de faire un break, ok? Tout le monde sait que télétravail est un code pour dire commander à emporter et regarder la télé. Ah, c'est donc ça? Je pense que ça fait un sacré bout de temps que j'ai pas eu une journée tranquille. Il y a aujourd'hui tout plein de monstres à tuer quand tu reviendras, alors c'est parti, direction la sortie, puis ta maison. Ah ouais, ma maison. Vous avez débloqué la chambre de Jackie. Sortez par le portail pour faire une pause à la maison. D'accord. Mais je peux avoir des achievements ici, en fait. Ouh, il y a des trucs sympas. Attendez, je voudrais juste, voilà, découvrir ça. D'accord. Oh, j'ai la ref. Hein? Michel, j'ai la ref. Jean-Michel, j'ai la ref. Non, mais il y avait une autre ref. C'était un peu plus inconnu. J'ai voulu foncer dans le miroir. Yeah. Alors par contre, la musique, au secours. Comment j'arrête la musique? Génial. J'arrive. Merci. I am very small and... Je me sens très petite et j'ai pas de monnaie. Enfin, j'ai pas d'argent. Et au secours! Je ne veux plus de musique. Help me. Bon, et bah sur ce... Alors, je vais m'arrêter sur ce jeu parce que pour tout vous avouer au niveau visuel,
Ça finit par me donner le tournis. L'univers est très coloré, le jeu très cool, mais j'avoue que là, j'ai besoin d'une pause sur celui-ci. Donc, alors pour Twitch, on va changer du coup de registre. Peut-être que je... Tiens, allez, un petit AT4 pour la suite. Donc YouTube, je m'arrête pour cette fois-ci sur Going Under. On commencera un nouveau donjon une prochaine fois. Lequel des deux, je ne sais pas. Peut-être dans les commentaires, sauriez-vous lequel vous souhaitez en premier parmi les deux donjons donc, qui sont proposés. Et nous verrons cela du coup la prochaine fois en espérant atteindre ce fameux poste de stagiaire marketing.